les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont réunis à Maputo, au Mozambique, le 11 juillet 2003 pour signer la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Puis, le monde entier ayant pris conscience de ce phénomène, de ce que nous appelons habituellement cette gangrène, a signé à Mérida, au Mexique, en décembre 2003, la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le Bénin, notre pays, a signé et ratifié tous ces textes. Puis, le monde entier a décidé de faire du 9 décembre de chaque année la journée internationale de lutte contre la corruption. Le Bénin, soucieux d'emboîter le pas aux Nations Unies, a pris un décret consacrant le 8 décembre de chaque année la journée nationale de lutte contre la corruption. Et donc, samedi prochain, c'est le 8, ce serait la 13e édition de la journée nationale de lutte contre la corruption au Bénin que nous allons célébrer. Samedi étant un jour non ouvrable, 8 décembre, dimanche 9 décembre étant également un jour non ouvrable, selon les tests, c'est le lundi 10 décembre que nous allons coupler et la journée nationale de lutte contre la corruption du Bénin et la journée internationale de lutte contre la corruption du Bénin. Je voudrais rappeler que le phénomène a tellement pris de l'ampleur que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de faire de l'année 2018 l'année africaine de lutte contre la corruption. Cette année également, le 1er novembre de chaque année est consacré à la jeunesse. Et le thème de la jeunesse cette année pour le 1er novembre a été également centré sur le rôle que peut jouer la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Pour cette année, nous au Bénin, nous avons choisi donc un thème qui concerne bien entendu l'engagement de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire co-parrainer, de faire co-présider les cérémonies de cette année par le ministre en charge de la jeunesse, avec nous-mêmes, pour que nous puissions réfléchir sur ce qu'il faut faire pour aller de l'avant dans cette lutte